Salut à tous, c'est Snake du 45. On se retrouve pour la suite de Wallace Snake 2. Tu passes de l'autre côté du mur. Il doit bien y avoir une ouverture. Cherche-la. Ça pourrait te permettre de passer. D'accord. Hé, Blasco, j'ai pas croisé un seul civil depuis qu'on est arrivé. Par contre, on peut dire que ça grouille de boches. J'espère que t'auras plus de chance que moi. Fergus, terminé. Bon, il y a des crocodiles, j'en ai vu un. Par contre, c'est vraiment désert ici. Oh, oh. Petite souris. Ok, donc ça. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a beaucoup de lettres cachées quand même. Oula, on entend des cris. Par là. Il fait quoi, lui? Il tire une trompette ou quoi? Ah, donc ça. Ah, il est bizarre l'alarme. Ah, mon chat. Oula. Bien. Sors d'où toi? Oh, c'est où les générales là? Boum. Oula. Il y en a encore un derrière moi. Ouais. Ouh, je crois que j'entends un gros robot. Ah, il est là-bas. Par contre, j'ai pas de grenade. Ouh, ça fait mal ça. Mais bon, il a été. Ok, c'était mort. Ah, je m'en rapproche d'un général là. Il est à 20 mètres. Mètres. Ah, on éloigne. Coucou. Ah, je crois que je l'ai vu, le général. Là. Tiens. Par contre, le deuxième, il est pas loin. Ah, il est peut-être en haut. Ok.
Ouh, je me rapproche là. 7 mètres. Ah bah il est là. Ok. Ça semble bien. Donc du coup en haut y'a quoi? Ok. Là, je suis à fond. On voit rien dans cette salle. Ça s'est fermé. Oh, ok, en fait, il n'y a rien de spécial. Ouh, on m'a fait peur. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, oh, il défonce tout. Ça, je suis à fond. Tout aussi, il y ouais. Alors en haut. C'est fermé. Par là, il y a quoi? Là, il y a rien. Continuer. Remonter. Blazkowicz, rends-toi à l'ancien bâtiment de la Ah, il y a encore les chiens là. C'est là où Orton et son groupe doivent se trouver. Vas-y et persuade-les de nous rejoindre. Ah oui, c'est comme ça aussi. American Bank, ça vaut combien un dollar aujourd'hui? Donc il y a les soldats, il y a les chiens. Ok. Bon, il faut y aller. Je sais pas si on peut se cacher dans les maisons. Un geste up. M'a vu? Ah oui, m'a vu. Comme par hasard, on peut pas monter en haut. Si. Mais. Ah, il veut pas, ah, il veut vraiment que j'aille de front. Ah, peut-être pas, donc, par là, peut-être. Je crois que j'ai vu un truc intéressant par là. Ah oui. Bon, le chien lui m'a vu. Mais lui il peut pas passer. Oh. Ça va? Wow, wow, wow.
Ah, bombe. Ok, donc ça traverse pas. Non. Wow, wow, wow. Par contre, des bombes, ils en ont. Oh, je crois que j'ai tiré sur son point faible. Wow, 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 wow. Oh, il a pris le shulk. Ah, il a pris le shulk, le shulk. Waouh. Ah oui, t'es résistant quand même. Waouh, waouh, waouh. Ok, donc là aussi il y avait des rebelles. Ok. Bon, il y avait plusieurs maisons pour pouvoir s'abriter. À se ouvrir tout seul. Ah monsieur. Wow. Il fonce même, ce des petits murets lui. À tous les détenus, l'inspection est en cours. Ah. Ne soyez pas perturbés par les patrouilles circulant dans la zone. Il s'agit d'une procédure normale mise en place par le ministère. Oula. Ouais, les gars. Veuillez obéir aux agents et vous recevrez oui. De la nourriture. Passez une bonne journée. Bon, bah, ça pour avoir passé une bonne journée. Mais elle a passé la bonne journée. Et massacrez vos hommes. Va se coucher, toi. Bien. Oh, qu'est-ce que tu fais, toi? Dodo. Ah, je pose la question s'il y a encore des crocodiles. Là. La Nouvelle-Orléans. Impossible d'effacer cette tragédie. Mais je peux punir les responsables. Ok. Vous recevrez de l'eau et de la nourriture. Passez une bonne journée. Ah, c'est bien ce système là, mais comment on remonte? Ah, par le bus. Oula, oula. Ouh, il y a beaucoup de soldats. Là, combien? Ils sont 4. 4, c'est parti. Ah, tu veux jouer? Ah bah. On dirait que je vais devoir passer par ce bâtiment. Ah. Ah oui, d'accord. Ok. Ok, donc il y a deux généraux ici. Il y a quoi de beau?
Un peu de vie. Il y a des gens par là. Qu'est-ce que c'est, fouiller la zone? Ah, tu m'étonnes, il y a le général qui est vraiment pas loin. Mais je crois pas que... Parfait. Je devrais aller améliorer mes armes maintenant. Rien par ici. Oui, ils entendent le bruit, mais... Ok, donc j'ai fait manger des balles. Ah, le général il est vraiment pas loin. Ah oui, de temps en haut. Salut. Allez, plus de balle. Ça. Ah, je disais bien, je pouvais pas passer. Où ça? T'es où? Beaucoup là. Ah. Ah. Ah, donne-moi ça. Bon, vous êtes calmés les gars. Il y en a des munitions là. Ah, c'est bon. Il faut que je passe de l'autre côté. Je pourrais peut-être utiliser cette grue. Ouais. Faut remettre du jus dans cette grue. Tu m'étonnes. Ok. Voilà, la grue fonctionne. Je crois que je sens bien le renfort qui va arriver.
tête bas. Ah, ok. William, on vient de quitter la tour. Les mines sont désactivées. Fergus est parti en reconnaissance. On vient d'affronter des nazis. On a failli y passer. William, dis-je, je sais pas si c'est normal ou pas, mais je crois que la grossesse me rend un peu... enfin... tu sais... excitée. Oh non. Mmh. Tout le monde est branché sur cette fréquence? Ouais. Oui. Maxos. D'accord. Ça, ça craint. Oh, 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 oh. Tiens, tiens, tiens. Donc il y a au moins deux soldats là. Plus lui. Allez, on est des thugs. Attaquer directement le gros. Là, il n'y avait que ces petits sbires. Piégé. Je vais tout faire sauter pour sortir. Apparemment. Plus piégé. Oh, oh là, oh là 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 là. Les gars, on peut discuter, hein. Ou pas. Oh. Dégage toi. Ça craint par exemple. Ah, lui il est mort. Bien. Ils sont combien? Waouh, 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 waouh. Attends, attends, attends. C'est juste le chien qui va m'embêter là. Mais en fait c'est vrai que là je suis piégé, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sortie là en fait. Aucune sortie. Donc, je vais devoir affronter le chien. Ça se casse ça. Ok. Ah, déjà il est où? Ah là! On dirait que quelqu'un essaie de résister.
Ah. T'es coincé, hein? Ça, c'est vraiment, il arrive à passer. Mais... pas grand chose ici. Alors. Ça tire d'où là? Ah, sauf que eux sont en haut. J'arrive. J'arrive les mecs. Non, on va toi. Ah, je crois que j'ai entendu un gros robot. Deuxième robot. Choc des titans. Ah oui, c'était là, j'étais. Je sais pas c'est qui gueule comme ça. Ah ok. Viens mon fils, prends ma main. T'es un pasteur? Ah ça, seigneur, non. J'ai ramassé ces fringues dans la rue. Je m'appelle Orton. William G. Blazkowicz. Blazkowicz, Blazko le Barjo. Bien joué, mec, mais t'es pas censé être mort. Je vais mieux, maintenant. Eh bien, Blazko le Barjo, je voudrais pas être grossier, mais qu'est-ce que tu fabriques dans le coin, à part sauver nos miches? Je suis avec le cercle de Chryson, et on commence une révolution. Vraiment. Ici, c'est le dernier refuge pour cette tumeur cancéreuse que sont les esprits libres et indépendants, et qui se répand au sud et au-delà. Nous sommes les exclus, les pauvres. Enfin, tous ceux qui font partie de ces satanés bourgeois américains. Cet homme là-bas, qui sert un verre. C'est mon vieil ami, Paris Jack. Paris Jack est un cogneur et découpeur hors pair, un anarchiste convaincu et un sacré joueur de clarinette. J'ai pas raison, Paris. Et c'est pas le seul instrument que je sais manier. Les rues sont calmes, Orton. Y'a personne... Attends... Ouais, maintenant, les rues sont calmes. Elle, c'est le professeur. Elle est capable de repérer une mouche sur le cul d'une vache à 150 mètres. Ils prennent cher, ces salopards de nazis. Ici, on leur défonce le crâne toute la journée. C'est un déluge de balles qui s'amoncellent. Alléluia! T'as des bons éléments ici. Vous devriez nous rejoindre. On a toujours besoin de gens comme vous. Oh, et comment tu veux lancer ta petite révolution, Blazko le Barjo? Blazko le Barjo? Bordel de merde, c'est lui. Cette connasse de nazi t'a pas refroidi? Il semblerait que notre ami ait gentiment dit au Tout-Puissant d'aller se faire naître. Il est avec le cercle de Chryso, c'est une légende vivante. Je sais qui il est. Ah merde, les revoilà. Paris, je me sens un peu lasse. Tu pourrais me remonter le moral? Voyons voir si c'est dans mes cordes. Tu sais, ma mère m'a toujours dit qu'il fallait pas faire confiance à ceux qui tiennent pas le whisky. Alors assieds-toi, Blazko le Barjo. Et bois avec moi. Putain, bordel, c'est quoi ce temps, voyou? La cuvée spéciale du père Orton. Eh ben, c'est du bruit. Ouais. Bon, écoute, Blazko, je respecte ton ambition. Mais on peut rien faire de plus. Le monde est plongé dans la merde et tout ce qu'on peut faire, c'est boire ce whisky en le regardant sombrer définitivement. Je m'attendais pas à ce que tu claques des genoux. On a lancé notre révolution bien avant l'arrivée des nazis. On était les premiers à lancer un mouvement pour les droits civiques, pour l'égalité entre tous. Tu connais le concept des droits civiques, Blazko le Barjo? Non, tu connais pas, t'as pas grand-chose dans le citron. Hein. Oh.
J'ai passé ma vie sur le front au nom de la liberté, de la justice et de l'Amérique pendant que toi et tes potes manouches distribuaient de la propagande bolchevique à chaque coin de rue, alors ne viens pas me faire la morale, ok? Dis-moi, elle te sert à quoi ton égalité? Si t'es pas foutu de lever le petit doigt pour aider tes amis quand les coyotes grattent à ta porte? On s'est rebellés contre la machine de guerre impérialiste des États-Unis d'Amérique et ses rats de Wall Street qui, avec une hâte, envoyer les enfants du prolétariat crever sur des terres lointaines pour pouvoir tranquillement remplir leurs coffres. C'était pas leurs fils qui se faisaient égorger sur les plages. Oh non! Ils recrutaient des gars comme toi pour leur sale boulot, pendant qu'ils s'en mettaient plein les fouilles. Des capions, la bonne poire de mec avec plus de dents en or que de pitié. Moi j'ai compris toute cette merde, mais j'ai décidé de pas en faire partie. Et pourtant tu es là, flingant pogne, butant du boche, tout comme moi. La différence, c'est juste que t'es un poil à la bourre. Peut-être que si toi et tes potes aviez bougé votre cul avant, on aurait pu gagner cette guerre. Renverse pas cette merde sur la table, Orton. Ça pousse pas sur les arbres. Voilà un autre tir montant. Place Colvarjo, gentil laquais de l'ordre bien établi. Écoute, mon pote, j'ai pas le temps pour des conneries. À toi de choisir. Soit tu abandonnes et tu crèves, soit tu te sors les doigts et t'avances. J'ai pas envie de me battre avec toi, Blanco. Je suis trop fatigué de me battre. T'es fatigué? Va te faire foutre, mon gars. J'ai deux bébés qui arrivent. Et il est hors de question que je les élève dans un monde dirigé par ces putains de nazis. Alors qu'est-ce que vous allez faire, bande de contrebandiers bolcheviques de mes couilles? Qu'est-ce que vous allez faire, cette caramassie de traître? J'ai jamais vu un type résister à plus d'un shot de la cuvée spéciale d'Orton. Je t'aime bien, Blasco. Je le reconnais. Tu manques pas de jugeote. Très bien. Lançons donc cette révolution. Vas-y. Paris travaille depuis plus d'un mois sur cette bestiole. Putain, comment tu t'es débrouillé pour la mater? J'ai fait sauter la ferraille, bidouiller quelques fils, et voilà. Paris, c'est du genre à apprendre vite. C'est toujours quoi faire. Bon, c'est quoi le plan? Tu vas chevaucher, cowboy. Ouais, monsieur, tu vas devoir le chevaucher et faire diversion pendant qu'on se faufile jusqu'au port avec tous les survivants de cette foutue purge. Compris. Enfin, faudra juste que ton bateau se pointe. Il sera là. Oh, doucement! Voilà, on se détend. Orton, tu ferais bien de remonter. Les Fritz débarquent comme des mouches sur du fumier. Check, check. Tout est prêt, Blasco le Barjo. À toi de jouer! Ok. Et ben on fera la suite dans une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Du coup, je continuerai dans une prochaine vidéo, comme je l'ai dit. Bye bye!